Davantage de déchets pour le centre d'enfouissement de Viggianello. Ils proviennent de l'ensemble des collectivités adhérentes au Civadec. Une petite partie était gérée par le centre de Prunelli-Viumurbo, bientôt fermé pour 2019. Pour autant, pas question de répercuter tous les déchets dans le Valinco. Et pour cause, une fermeture administrative guette également le CET de Viggianello. Sa capacité totale fixée par les services de l'État est de 110 000 tonnes par an. Actuellement, plus de 60 000 tonnes ont été traitées. Selon le Civadec, la limite stricte devrait être atteinte d'ici décembre. Nous allons travailler avec nos collectivités adhérentes dans le courant du mois de septembre les meilleures solutions techniques pour éviter toute crise et toute absence de traitement des déchets. Donc nous allons garantir effectivement des choix qui vont permettre la continuité de service à Viggianello en respectant bien sûr les 110 000 tonnes d'autorisation administrative. Mise en bas, les stockages temporaires du surplus jusqu'à la réouverture en janvier prochain. Peu de solutions sur le court et le long terme pour le traitement des déchets. Avec plus d'un demi-million de tonnes enfouies, le centre de Viggianello approche rapidement de la saturation globale. Là encore, pour la suite, aucune décision n'est arrêtée. On est dans le flou parce qu'il n'y a pas eu de décision prise par l'ensemble des acteurs, que ce soit territoriaux ou au niveau de l'ensemble des élus. On a fait plusieurs réunions à Corté dans lesquelles on s'était engagé à trouver des centres de proximité de stockage. Et au bout de 5 réunions, il n'y a toujours rien. À la collectivité de Corse, on assure que l'heure est toujours à la réflexion. Un nouveau cycle de réunions est prévu. En attendant, malgré le progrès du tri sélectif, les fermetures annuelles restent précoces. Le CET de Viggianello, quant à lui, devrait fermer ses portes définitivement en juin 2020. Pour l'instant, sans solution de repli.